Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ces sachets surprises de Peppa Pig de la collection de pâte à modeler des Clay Buddies. Il y a à l'intérieur de ces sachets des instructions et aussi des bâtonnets de pâte à modeler afin de recréer tous les amis et la famille de Peppa Pig. Voyons voir à quoi ressemblent ces sachets d'un peu plus près. Il y a les instructions pour créer les personnages et aussi Peppa devant. Donc on va ouvrir le premier sachet et voir ce qu'on a. Alors il y a un bâtonnet de pâte à modeler jaune, les instructions et il s'agit d'Emily Elephant. Donc voici les instructions pour faire Emily Elephant. Elle a le bas de son corps qui est un peu plat. Ouvrons le bâtonnet et on va former une boule. Et voilà, le bas de son corps est plat. Nous allons maintenant détacher les parties cartonnées afin de les ajouter à la pâte à modeler. Les parties les plus difficiles à détacher sont les jambes, car elles sont longues et fines. Donc il faut faire très attention à ne pas les casser, parce que sinon ça sera difficile de faire tenir debout les personnages. On va maintenant assembler la tête d'Emily Elephant, puis sa queue, et ensuite ses bras. Et finalement, ses jambes. Et voilà, notre première figurine de Peppa Pig est prête. C'est Emily Elephant et elle est vraiment adorable. Nous allons maintenant ouvrir le deuxième sachet surprise et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a un bâtonnet de pâte à modeler bleu. Et il s'agit de Gabriella Chèvre, une des amies de Peppa. Et voici les instructions pour la faire. Nous allons ensuite détacher les parties cartonnées. Voici la tête. Et il faut retirer délicatement les jambes. On va maintenant faire le corps de Gabriella avec la pâte à modeler bleue et on va bien entendu d'abord faire une boule. Il est temps maintenant de l'assembler. On commence bien sûr par la tête, ensuite les bras. Puis sa petite queue. Et finalement, ses jambes. Et voilà, Gabriella Chèvre est prête à rejoindre Emily Elephant. On va maintenant ouvrir le troisième sachet. Je me demande quel personnage on va avoir. Tiens, on a encore de la pâte à modeler bleue. Et c'est Rebecca Lapin que nous avons là.
Voici les instructions pour faire Rebecca. On va séparer les parties cartonnées comme on a fait tout à l'heure. Nous allons maintenant former le corps de Rebecca avec la pâte à modeler bleue. Et comme d'habitude, on commence par faire une boule. Nous allons maintenant assembler notre figurine. On met d'abord la tête de Rebecca, ensuite bien sûr ses bras. Voilà. Puis on va mettre sa petite queue. Et finalement ses jambes. Et voilà, Rebecca Lapin est elle aussi prête à rejoindre Gabriella et Émilie Éléphant. On va ouvrir maintenant le dernier sachet surprise. Et nous avons de la pâte à modeler violette. Je me demande qui c'est. Et il s'agit de Dany Chien, l'ami de Peppa. Voici les instructions pour le faire. Et il a un corps en boule. Donc on va enlever les parties cartonnées. Nous allons maintenant faire le corps de Dany Chien et c'est un corps complètement rond, il n'y a pas de partie plate, donc il faut simplement rouler en boule la pâte à modeler. Et voilà, on va maintenant l'assembler, on met sa tête dessus, ensuite ses bras. Voilà, puis sa queue. Et finalement, ses jambes. Et voilà, notre dernière figurine de Peppa Pig est prête. Et Dany Chien va rejoindre ses trois autres amis qui sont déjà faits. Voici les quatre figurines que nous avons faites aujourd'hui avec cette pâte à modeler des Clay Buddies. Nous avons fait Gabriella Chèvre, Émilie Éléphant, Rebecca Lapin et Dany Chien. Gabriella et Rebecca ont la même couleur de pâte à modeler. Dany Chien est en violet et Émilie est en jaune. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Disney Recré pour de nouvelles aventures avec Peppa Pig et la pâte à modeler des Clay Buddies.